Bonsoir à vous, c'est Meiko Taru et nous sommes de retour sur Nier Automata. Pour moi, c'est la suite du dernier épisode. Pour vous, c'est un nouvel épisode. Donc, nous sommes actuellement... On a une lampe. Ok, bon, c'est bon à savoir. Nous sommes donc actuellement dans la grotte qu'il y avait à explorer la dernière fois. On est tombé donc de là-haut. On s'était arrêté ici. Et nous avons donc cette grotte à explorer. This hallway looks pretty old. En espérant qu'on se fasse pas laminer la gueule. Je me suis foiré. Je vois rien en plus. Vous avez pas vu lui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, j'ai... Moi, je t'ai vu venir par contre. Moi, tu t'es planté. J'ai utilisé un truc, je ne sais pas du tout si j'ai utilisé un bon truc ou si j'ai utilisé une salve ou... Ouais, c'est pas grave. Par contre, j'ai plus beaucoup de... Ah non, j'ai des soins moyens. J'ai plus de soins de soins légers. J'ai que des soins moyens ou des soins... Ok, ça c'est bon à savoir. Ça ne marchera pas deux fois par contre. Mais bon, déjà t'es mort. Donc ça risque pas de marcher deux fois puisqu'il est mort. On y voit que dalle. Raté. Je t'avais dit que ça marcherait pas des fois. Enfin, c'est pas à toi que j'ai dit, mais je l'avais dit. Et t'as vu, je t'avais dit. Ensuite, un truc à ramasser. Très intéressant. Si tu peux me mettre la lampe correctement, merci. Oh, la porte là-haut, je l'avais pas vue par contre. Encore plus intéressant. Look at all these dead machines. Vise un peu toutes ces carcasses de machines. Elles doivent être ici depuis des lustres. Ouais. Par contre, je confirme, c'est du extraterrestre, ça. Depuis la gueule des trucs. Non, j'avais cru voir un truc à ramasser ou à actionner, mais non, c'est juste que je pouvais parler à Naïnes. Ça, c'est clairement un vaisseau extraterrestre. What is this place? I don't know. On est où, juste? There's nothing like it in the database. Il n'y a rien qui ressemble dans la base de données. Je fais exprès de marcher lentement pour que vous puissiez savourer ces magnifiques graphismes. Parce que... Là, il y a de la qualité. Bon, par contre, cette couille géante là-haut, c'est censé ressembler, représenter quoi? À part une terre cramée, j'en sais rien. Ah oui, c'est les escaliers qui descendent, d'accord. Je me demandais si c'était un trou. Là, par contre, c'était pas moi qui marchais. Tubi, regarde. Look. Destroyed alien mother. Épaves de vaisseau mère extraterrestre. Welcome. Bienvenue dans le cimetière de nos créateurs. Oh. Vous êtes quoi les gars? Alors celui de gauche on l'a rencontré. Toi, look out. Tubi, attention. My name is Adam. Je m'appelle Adam. The aliens you seek are no longer here. Ce que vous cherchez ne sont plus là. Ils ont été exterminés il y a des siècles par nous, les machines. Wiped out. Exterminés. And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Peut-être que les androïdes sont les prochains sur la liste. Machines are weapons capable of evolution. Les machines sont les armes capables d'évoluer, de progresser, de développer une conscience. Eventually, the intelligence l'intelligence within our network notre... began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. Ah, mais j'ai rien le temps de faire. Destroyed your own creators? Oh, there's j'ai rien le temps de faire, je comprends rien. J'essaye de lire en même temps they que je... Infantile. Almost like plants, I voilà, merci. They held no value to us. But the humans on the moon? Now they are interesting. Why that?
Because they are an enigma. Bon, on va faire autrement. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating. Allez, hop, 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 hop. What could possibly non, ça, je l'avais pas vu venir. We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. Non, ça je l'avais vu venir, mais... We will then dissect je me suis foiré dans l'esquive. Il va être compliqué. In order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this to be? This guy's bonkers. Well, I je vous laisse lire. Moi je lirai pour, le, pour l'histoire, je lirai ça pendant le montage. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Niveau 15. Time grows short. Le temps nous est compté. This year, ça, c'est le sort qu'ont subi nos créateurs. As for your beloved humans, quant à vos chers humains, nous verrons bien, n'est-ce pas? They're gone. Ils ont disparu. The aliens were les extraterrestres étaient morts depuis longtemps. Oui, on ferait mieux de retourner à la base. C'est quand même vachement étrange tout ça. Back this way again? On doit reprendre la même route? Quelle Stop galère. Complaining. Arrête de te plaindre. Yeah, yeah. Ouais, ouais. Non, attendez, il y a un problème. Il y a un problème, parce que si je prends la même route, je fais comment pour remonter? Il y a pas une autre route, justement? Merde, ça c'est une erreur. Bah du coup, non. En fait, non. Bon. Il va y avoir un petit bout de chemin. Pour trouver notre sortie. Ou alors la sortie est toute prévue, mais... Tubi, ici opératrice 60. Un transporteur opérationnel est arrivé dans la cité en ruine. Nous tentons d'en déployer sur d'autres sites. Oh, c'est pas trop tôt. Tu veux bien expliquer? Le transporteur nous permet de transférer notre conscience vers un corps temporaire à bord de la base. J'ai entendu des techniciens en parler, mais j'ignorais qu'ils étaient enfin fonctionnels. Bref, je vais télécharger les données topographiques de la carte. Ouais, c'est cool si tu peux m'indiquer même une sortie. On n'a pas exploré par là. Moi, je suis pour l'exploration. Et je suis pour les loot aussi. Alors ça, on peut pas l'utiliser, d'accord. Ensuite... Youhou ! À gauche, on n'a pas exploré. Ah, ils ont mis... Ils ont fait apparaître une échelle. Ou alors, elle était déjà là et je m'en suis pas rendu compte. Ah, et si c'était un cul-de-sac, d'accord. Par contre, ça, je ne peux toujours pas y accéder. Pour l'instant. Ce qui veut dire que ça va être d'ici peu. Psycho ! Mon ami Psycho ! Non, déjà, il y a ça. Je sais pas... on verra après. Salut, ça roule ? Encore vous ? Votre commandant m'a demandé de créer un nouveau point d'accès. Voilà, alors voilà. Ah, j'ai réparé ce fichu transporteur aussi. Merci. I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? Dites-lui le fond de ma pensée. So this has a transporter now, huh? C'est un transporteur. Still, transporters are pretty handy. Ils sont quand même bien pratiques. Ils parcourent la distance séparée de la Terre de la base plus rapidement que les modules de vol. Les modules de vol sont vulnérables aux attaques. Sans compter que leur utilisation coûte cher. Données topographiques. Ah, point d'accès et téléportation. Près d'un point d'accès, choisissez transfert pour vous rendre à un autre terminal. Il existe de nombreux points d'accès différents, mais il vous faudra de les débloquer avant de pouvoir les utiliser. Ok. Donc du coup, là, il faut retourner à la base. Si j'ai bien compris. Et ce que j'aurais dû faire, en fait.
Transfert, base. Oui. On dirait une machine, un distributeur transformé en machine à téléporter. C'est kiffant. Vous imaginez si toutes les machines, tous les distributeurs dans vos supermarchés, machin, truc chouette, c'était tous des téléporteurs. Ça ferait flipper quand même. Tout d'un coup, t'as tous les androïdes qui sortent. Voilà tout ce que nous savons sur les événements concernant les paves extraterrestres. Ils étaient tous donc morts depuis tout ce temps. Le Conseil de l'Humanité a besoin de temps pour échafauder un plan. En attendant, ces informations doivent rester strictement confidentielles. Les difficultés. À vos ordres. Votre prochaine mission consiste à rassembler d'autres informations au sujet de l'individu qui se fait appeler Pascal. La machine hyper bizarre qu'on a rencontrée. Il s'agit là d'un ordre direct du Conseil. En savoir le plus possible sur ces individus uniques est essentiel au succès de nos missions futures. Compris. Pardon, cet accent était pourri. Et il est sorti nulle part, surtout. Vous avez deux messages. Dis donc, le commandant, c'est une vraie esclavagiste. Et maintenant, il faut qu'on retourne à la cité en ruine. Ça va nous faire... On pourrait pas se reposer un peu, TP? Je me reposerai quand je l'aurai décidé. On va quand même aller se reposer. Eh tiens. Oui, c'est vrai. Effectivement, je n'avais plus de soins moyens. Légers. On va en racheter une vingtaine. Ça peut pas faire de mal. Non, merde, j'aurais dû quand même. Je vais même en acheter une trentaine. Voilà. Comme ça, on est sûr. Et ici, j'en rachète 5. Voilà. Comme ça, ça me fait des chiffres pas trop mauvais. Et ici, j'en achète 15. Voilà. Ça coûte cher, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine. Quand on sera sur le point de mourir, on sera bien content de les avoir. Donc voilà. Souhaitez-vous faire une pause? Oui. Bien, les amis, souhaitez-vous sauvegarder? Oui, c'est surtout ça que je voulais faire. Souhaitez-vous continuer à jouer? Non. Et magie, les amis, voilà la suite de l'événement, puisque il n'y avait pas beaucoup de temps passé pour l'épisode. Donc, la suite. Donc pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu? Bah déjà on va retourner, je sais plus c'est où qu'on doit aller. Je sais plus c'est où est-ce qu'on doit aller pour la quête. Carte, on n'a pas le droit à la carte, c'est les quêtes actives. Ah oui, c'est ça aussi que je pensais faire, les traîtres du rat, il faudrait qu'on les retrouve et qu'on les défonce. Les mecs, non... Lettre étrange, message d'une source inconnue qui contient 3 séries de coordonnées. Ok, bon. Donc non. Mais c'est... Ah putain, c'est la quête principale, donc... Ces enfoirés ne voudront pas me dire. Donc, transfert, on va aller à la base. J'hésite même à aller au village de Pascal, mais... Camp des résistances, voilà, c'est ça que je cherchais. Excusez-moi pour le bug. Donc allez, au camp de la résistance, voir un petit peu si c'est là-bas qu'on doit faire la quête. Normalement déjà ça sera mieux. Une fois là-bas, on pourra mieux voir sur la carte ce qu'il y a à faire. Puisqu'on pourra ouvrir la carte. Donc voilà, puis on verra un peu. Je peux vraiment faire les traîtres du rat. Alors déjà à la base on n'a rien. Ensuite, donc la carte. S'il vous plaît. Ici, les traîtres du rat. Bah voilà, c'est ce qui est le plus proche. Donc on va faire les traîtres de Yura. Ah oui, effectivement. Et la suite des événements se trouve au village de Pascal, puisqu'il faut qu'on enquête un peu sur ce drôle de village où les robots, les machines passent leur temps à agiter un drapeau blanc, ce qui est vraiment étrange, hein. On se demande vraiment ce qu'elles veulent. Donc les traîtres du rat, ça me dit qu'il y en a là-bas. Par contre la question c'est, ça me dit qu'il y en a là-bas, mais où? Il y a énormément d'endroits où ça peut
Sachant que si on n'est pas sur la bonne hauteur, ces enfoirés ne sont pas visibles. Donc on va essayer de se promener un peu en hauteur. Pour ça, je vais monter sur le robot du Goliath, sur le corps du Goliath. Et on va monter en haut, et puis on va voir ce que ça donne. Et s'il n'y a rien ici, je pense savoir où est-ce qu'on peut aller voir d'autres. On fait comment pour monter encore, s'il vous plaît? Là, l'échelle. Allez hop, on monte. Pour l'instant, ça ne s'affiche toujours pas sur la carte. On voit toujours pas les ennemis. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient là. Mais bon. Donc ils ne sont pas là. Donc la suite de là où ils peuvent être. Allez hop. Ah, c'est bon. Je voulais choper la quête. De la fée clochette. Mais il veut toujours pas me la donner. Raté, tous les deux. Et toi aussi. Raté. Alors j'avoue, j'ai fait un premier coup dans l'espoir de l'esquiver, qui fut un peu raté, et j'ai enchaîné sur le deuxième coup pour au cas où. Et le deuxième coup a payé. Donc traître du Ras, c'est par ici. On va rentrer dans le bâtiment, on va essayer de monter. Bah tiens, il y a des escaliers justement. Faut pas se casser le cul avec des échelles. Les escaliers continuent de monter. Intéressant. Très intéressant. Merde. Je fais n'importe quoi. Et du coup, je suis tombé quelque part où il n'y a pas d'escalier. Ah non, c'est parce que c'est de l'autre côté. Autant pour moi. Je fais n'importe quoi. Voilà, il y a toujours des escaliers. Voyons, pourquoi s'embêter? Il y a encore des escaliers. On continue. C'est l'ascension. En tout cas, c'est plus rapide qu'avec l'échelle, hein, je trouve. Quoique. Au moins, on se retrouvera pas paumé comme des cons. Voilà, là où je voulais aller voir, c'était justement en haut de ce bâtiment. Parce que la dernière fois, on avait été voir en bas. Nickel, et ils sont là. On les a trouvés. Ils sont juste ici. Alerte, les unités 22B et 64B Renegades sont actuellement recherchées pour incarcération. Sale bête. Allez. Soin léger. Bon, ça veut pas. C'est pas grave. Yeah. Alors les esquives au hasard. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Voilà, merci. Bâtard, je l'avais pas vu ce coup là. Banzai. Je foire mes esquives. Je pensais que c'était Nines qui était en train de taper. Bâtard! Casse-toi! J'ai réussi à me sauver. Allez, allez, allez! Punaise, c'est technique vraiment ce combat, c'est fou! Et c'est là que je suis content d'avoir repris de quoi me soigner. Hein. Je l'ai senti venir le coup. Pas celui-là par contre. Allez, allez, allez. Non, 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 reste là. Raté. Bâtard. Allez, reste là. Bouffe-toi tout ça. Elle est où? Là. Raté. J'arriverai pas à le refaire. Ah mais c'est sale bête. Il se retourne plus vite que son ombre. Non.
Voilà, là normalement j'ai réussi. Tu m'auras pas. Les esquives parfaites, c'est pas pour les chiens. Ça c'est raté par contre. Allez hop 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 hop. Les deux. Bah comment j'ai osé? Bah j'ai pris mon épée, j'ai tapé. Tu vois ce que tu fais là, connasse? Tu crois que moi j'ai pas de famille? Merci. Hop là. Oh là. 22B, 64B, qu'est-ce que... Alerte, la cible est ancien capitaine Yora 8B, actuellement recherché pour désertion. Proposition de neutraliser et appréhender la cible dans le plus bref délai. C'est toi qui as fait ça? Allez, rends-toi. La ferme, tu ne comprends rien à rien. Ouais, Destroy, je veux bien. Mais elle fait mal quand même. C'est pas un niveau 20 pour rien. Raté. Allez. Elle est quasi insensible à mes gros coups. Ça ne la perturbe pas. Par contre, on va éviter de trop souffrir. Allez, 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 allez. Elle a bugué, ce qui m'a permis de faire le truc. Par contre, je pensais pas qu'elle me toucherait. Elle est un peu buggée quand même. Allez, hop, 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 hop. Allez, allez, hop, hop, hop. On lui a déjà niqué la moitié de sa vie, donc c'est faisable. Ah, elle va être longue à buter. Si elle peut me taper un peu. Ah mais non mais. Pourquoi elle arrive à me toucher deux fois après que j'ai dit qu'elle devait me taper? Elle a pris un peu trop au sérieux son rôle là. Allez tu... Allez Nines, on la dégomme. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire. C'était censé être quoi ça? Je sais pas ce que c'était censé être, mais j'ai réussi. Par contre, du coup, j'arrive plus à la taper. Ah, ça y est. Ta gueule, merde! Allez, allez, allez! On l'a presque, on l'a presque. C'est pas le moment de mourir. Putain, heureusement que j'ai les heals, sérieux. Et heureusement qu'elle en utilise pas. Voilà. Liste d'objets obtenus, 10 000 gold et 400 d'XP. Vous avez récupéré une arme, lance type 40. Toutes les unités ont été détruites, signaux de boîte noire hors ligne. Mission accomplie. Oui. Il a fallu les tuer, nos camarades. Our fellow units. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui leur a pris d'aller voler la résistance d'abord? Tu crois qu'Anemone pourrait nous éclairer, Chubby? Allons voir. Direction Anemone. Donc direction le camp de la résistance. Qui est normalement par là-bas. C'est vraiment cool ce pod. Et je plane. Pas passer dans les buissons, pas passer dans les buissons. C'est un trou ça. Est-ce qu'on peut y passer? Non, c'est un trou mais c'est pas un trou. Un trou qui n'en est pas. Pas par ici. Ok, donc il faut passer de l'autre côté. Par là-bas. Par ici, je suis sûr on peut passer. Voilà, ça c'est bon. Donc on va aller voir Anemone et puis on va se quitter là-dessus. On récupère ça aussi. Compétence accrue. Et lui, il y a une quête. Oui, je peux vous aider. On a quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des unités Yora qui volaient votre ravitaillement? Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Quoi? On entrepose notre ravitaillement sur différents sites, mais à ma connaissance, aucun vol n'a été signalé. Je vois. Bon, merci. Étrange. Ils se font soi-disant voler, mais eux ne savent rien du tout. Alors, ces unités n'avaient rien volé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Contrôle, répondez. Ici opératrice 210. Je vous écoute. C'est à propos des unités Yora Renegades. Bien reçu, 9S, leur statut a été confirmé de notre côté. Non, ce que je veux dire, c'est que la chef de la résistance affirme que son ravitaillement. Alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas accès aux données correspondant à cette mission. Pardon? C'était un ordre direct du commandant. Quoi? Opératrice, je. Soyez prudent, 9S. Je n'ai pas d'autres informations. Quoi? Opératrice? Opératrice? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allons-y. Ouais, je voudrais bien ramasser ce qui est bon. Mais on est là pour se battre, un point c'est tout. Quête terminée. Ok. Bon, eh bien mes amis, sur ce, on va se laisser là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bisous.